Je pense qu'on peut s'en ficher.
place. Vas-y, fais voir, t'as le copain, essaye de tirer le truc, là, je tiens derrière. Je tire juste. Tu tires, si tu prends la partie ici, c'est... Attends. Attends. Mais je le sens tourner quand tu... Quand tu... Voilà, vas-y. Je suis pas là. Tout de suite. Mais sinon, en fait, mais ça vient nickel, le mur il la grippe pas. Il va bien ramollir. Il va falloir le niveau. Là il est coupé par lui-même. Il se coupera tout seul de son là, non? Ouais. Ouais. Quelqu'un a pris la nouvelle spatule? Non. Bah elle était pas dans ton sac?
Mais là-haut, là, c'est pourri. Un verri sur la côte. Tiens, non, pour le moment il tient, non, bien, on se tape là, comme ça on l'agrandit, il sera plus solide. Tu vois ce que je veux dire? T'as des nouvelles de Rémi? Tu vois, je vais lire. Ouais, j'ai des nouvelles. Tout va bien, là. Il... On va pouvoir faire ça là. Ouais, tu vois que ça peut être là. Là par contre, il y a que le ramollissage qui... Il faut toujours l'avoir à l'intérieur. C'est pas fait. C'est l'arrivée, hein? Non, non. En fait, si tu fais A, il descend tout seul. Pour lui sauter les trous. Là. Il y aura moyen de rejoindre les deux, tu crois? Avec la réponse de la fin. Yes.
La bobounification. Le graphe entre le doigt et l'ongle. Ah, la tête. La petite salope. On dirait le président d'Ukraine, ce mec. Les mettre mouillés dedans et les laisser durcir. Dessus, tu vas les reposer, les tenir avec des clous et voir par derrière si on peut pas venir avec un truc qui les tiendrait ensemble, un vernis. Belle face de verre. Belle face de verre. On sent que t'as vu de ton poignet en ce moment, Hugo. C'est bon ? Mon poignet ? Ah bah c'est sûr qu'en ce moment... Alors, deux, on tire juste. Le problème c'est que... quand ils tiennent plus comme ça, ils cassent le transport. À boucher les trous. On bouche l'aide. Bon, il est mieux découper en mille qu'en une pièce. C'est pas terrible. Trop de chrome. Pas complètement New York. Je crois que c'est dur à rouler comme ça. On garde l'eau du tout. Putain! C'est Lambo Jack. C'est Mambo Miam Miam. Tiens, je veux bien que tu mouilles celui-là. Tu veux que je mouille ? Vas-y, mouille. Bon, commence là. Merci. On économise l'eau un max. Je vais voir ce que je peux faire. Putain, après, il va falloir le faire un truc bien. Mais... dedans aussi. À
Ah, tu les mets le plus possible les uns avec les autres. Là, je commence là. Ah, tu fais dans le sens. Là, c'est juste pour la bagnole. Du scotch de peintre. Du scotch de peintre? Ouais. Je sais pas si ça va tenir. Vous avez pas vu cette peinture? J'ai jamais pensé. Il est où le fil de fer? Il est là, prends l'eau. Il y a de l'eau dans ma cocotte aussi. Bah on met celle-là et puis on regarde. Ça. Tu roules tout en même temps comme ça, tu penses? Mais non, c'est juste pour tout ce qui est moulin en même temps. Ouais, mais peut-être, hein. Si, pour rouler là? Bah, ouais, je pense que ça le fait. Je l'ai mis dans des bains, mais il est assez souple là. Ouais, encore un peu, mais bon, alors du coup, un peu plus de mouillage. Ouais. On refoule de la flotte. On va dans ce sens. On part de ton côté, c'est bien. Bah, mouille en haut, comme ça, l'eau coule. Vas-y, tu peux rouler à côté. Ouais, ça va, ça va. Au pire, on peut rajouter les bouts de là-bas que t'as avec celui-là. Hein. Ouais, mais il y a vraiment que. Tiens, prends les deux fils de fer, c'est bon. Ah, monsieur, je pense que. Je vais filmer. Je sais pas si on pourra le déroule en même temps, il est dans le bon sens. C'est pas mal. Ouais, un petit peu. Je sais pas si on pourra le dérouler. En séchant, il va. Vas-y, de l'eau, un peu. Bon, il est beau. Le jaune là. Le sac avec tous les outils. Ah, ça me donne le point. Thank you.